Pierre. Bonsoir, nous sommes le jeudi 9 juin 2022. Vous regardez À l'air libre, la quotidienne de Mediapart. Bienvenue. Le premier tour des législatives, c'est dans 3 jours. On débriefe cette campagne de premier tour avec les journalistes de la rédaction. C'est parti. Souvenez-vous, le 24 avril dernier, Emmanuel Macron était réélu président de la République au terme d'un second tour. L'opposant à la candidate d'extrême droite Marine Le Pen s'ouvrait alors la campagne d'un autre match, les législatives, campagne marquée par l'émergence d'un bloc de gauche rassemblé face à la majorité de droite et de centre-droit et face à l'extrême droite. Pour analyser cette campagne autour de la table et à distance, 3 journalistes du service politique de Mediapart et une journaliste du pôle vidéo. Mathieu Dejean, salut. Tu as couvert la campagne des candidats de la NUPES, on va en parler. Ilyes Ramdani, salut, toi tu suis l'exécutif. Lucie Delaporte, à distance, salut Lucie, tu couvres l'extrême droite. Et Célia Mebroukin, salut Célia, du pôle vidéo, tu as suivi une journée de campagne de Stanislas Guérini et de sa concurrente de la NUPES dans la 3e circonscription de Paris. Alors, sur Mediapart, vous pouvez lire les nombreux reportages et analyses produits par les journalistes autour de la table et puis les autres journalistes de la rédac. Vous avez parcouru la France, suivi plusieurs candidats ici et là. Qu'est-ce qui vous a frappé, chacun et chacune, dans cette campagne ? Mathieu. Moi, il y a 2 choses qui m'ont frappé. Déjà, le fait que la gauche ait réussi à s'unir et d'avoir couvert les négociations. En fait, rien que ça, ce moment politique était assez intense et passionnant à couvrir. Et c'est vrai que c'était pas gagné qu'ils réussissent à le faire vu ce qu'ils s'étaient envoyés pendant la présidentielle. Ça, déjà, c'était intéressant. Et deuxièmement, la chose qui me frappe, moi, pour avoir couvert la campagne de la NUPES sur le terrain, c'est la remobilisation des militants concrètement pour faire du porte-à-porte, du tractage et la mise en œuvre des consignes quoi, de troisième tour, de Mélenchon Premier ministre, etc. Enfin, on voit que en fait, c'est un camp qui partait pas forcément gagnant à la présidentielle, qui était où c'était compliqué pour la gauche à ce moment-là. Le fait d'être passé de peu à côté du deuxième tour quoi, à la présidentielle, ça a vraiment eu un effet de remobilisation. En plus, il y a eu l'union de la gauche. Et là, sur le terrain, on voit vraiment qu'il y a une mobilisation très forte pour faire cette campagne. Ilyes. Je suis un peu le miroir inversé, je crois, de Mathieu, du coup. C'est intéressant parce que, pour le coup, bon, moi, j'ai suivi Valérie Pécresse pendant la campagne présidentielle, puis l'exécutif. Et des deux côtés, c'est vrai qu'au lendemain de la présidentielle, il y avait une sorte, du côté de la droite LR, évidemment, enfin, vraiment avec des élus complètement chaos. Et au lendemain de la présidentielle, on a plusieurs élus qui étaient candidats investis par les Républicains qui sont désistés, qui ont décidé de ne pas y aller vu le score de Valérie Pécresse. Donc ça, c'est la première chose, moins de 5%. Et puis ensuite, on a Emmanuel Macron, où on pourrait se dire, tiens, on va être dans l'effervescence d'une victoire, d'une réélection. Et ce n'est pas du tout le cas. Il y a cette première ministre qui met beaucoup de temps à être nommée, ce gouvernement qui met beaucoup de temps à être nommé, sans aucun souffle. Ces investitures qui arrivent, qui sont très longues à arriver, avec des ministres qui s'interrogent, etc. Et sur le terrain, des gens, y compris des électeurs d'Emmanuel Macron, qui ont eu beaucoup de mal à se remettre dans une logique électorale, qui ne sont pas du tout dans une logique d'état de grâce. Alors ça, c'est évident, mais encore plus de dire, allez, on va donner une majorité au président qu'on vient d'élire. Donc moi, c'est vraiment l'inverse. Et d'ailleurs, j'étais un peu jaloux quand Mathieu, quand Pauline, ceux qui suivent la gauche, avait plein de choses à couvrir, des négociations, un accord. Il s'est passé très peu de choses du côté de la droite, du côté de la majorité. Donc voilà un peu comment j'ai vécu la campagne. La campagne. Lucie, qu'est-ce qui t'a frappé, toi, pendant cette campagne législative ? Je pense que de mon côté, c'était un peu comme Ilyes. Pardon, je ne sais pas. Mais toi, sur ta gauche, t'as l'extrême gauche. Je sais que tu penches à l'extrême droite. Voilà, parfait. Voilà, pardon. Oui, c'était un peu comme Ilyes. C'était du côté de Marine Le Pen, une campagne particulièrement atone qui a mis beaucoup de mal à démarrer. D'abord parce que Marine Le Pen a disparu pendant 15 jours après sa défaite à la présidentielle et qu'elle est revenue en disant qu'en fait il y avait très peu d'enjeux pour ces législatives, que Macron aurait une majorité et donc ça a démobilisé totalement son camp et concrètement sur le terrain. Au contraire, moi j'ai vraiment vu que ça. D'abord, il y avait très peu de militants présents, il y avait très peu d'intérêt aussi, je pense qu'on en parlera quand même, et un fort risque d'abstention, en tout cas du côté de ce côté-là de l'échiquier politique. C'est sûr que la campagne a très très peu intéressé. Alors, l'événement
politique du coup de cette campagne, désolé Lucie et Iliès, c'est l'union des gauches et donc la NUPES qui est née après donc ce second tour de la présidentielle. La capacité des gauches à avoir fait l'union autour, enfin non seulement d'avoir fait l'union, qui plus est autour de Jean-Luc Mélenchon, ça paraissait quand même assez improbable il y a quelques mois tout ça. Et la NUPES démontre une capacité à rester unie, quelles que soient en coulisses les désaccords qui, j'imagine, existent. Donc Mélenchon a réussi à réconcilier ceux qui disaient que les gauches étaient irréconciliables. Oui, bien sûr. D'ailleurs, tous ceux qui sont partie prenante de la NUPES n'ont pas du tout le discours de dire que les gauches sont irréconciliables. Mm-hmm. Ils sont vraiment en rupture avec cette ligne-là. Donc là, c'est vrai que la NUPES a permis une clarification, peut-être notamment du côté du Parti Socialiste, mm-hmm. qui était le parti hypothétiquement le plus difficile à rallier à la NUPES. Et puis, ils se sont rendus compte au cours des négociations qu'ils étaient d'accord. Le coup de force, finalement, de Jean-Luc Mélenchon, c'est d'avoir réussi à mettre tout le monde autour de la table et surtout d'avoir conçu un programme de 650 mesures, c'est quand même assez considérable, et avec lesquelles ils sont tous d'accord, sauf sur une trentaine de points sur lesquels il y a des nuances. Et là, c'est vrai que parfois, c'est des points importants. En ce moment, on parle beaucoup des violences policières. Mmh. C'est un sujet sur lequel le Parti Socialiste n'est pas d'accord et préfère utiliser d'autres mots et ne pas englober l'institution entière dans ce terme-là. Mais en tout cas, oui, c'est vrai que en apparence, c'est une union qui fonctionne. Il n'y a pas de couac. Les porte-paroles de chaque parti se déplacent pour soutenir d'autres candidats, d'autres partis. Jean-Luc Mélenchon mouille beaucoup la chemise pour aller sur les meetings un peu partout en France, à Caen, à Lyon, à Poitiers. Ça, c'est ce qui se passe en façade. Après, c'est vrai que ce n'est pas non plus une union parfaite. Il y a des circonscriptions dans lesquelles il y a des candidatures dissidentes à gauche, notamment au Parti Socialiste, puisque c'est vrai que les négociations ont mis à jour une ligne de fracture à l'intérieur du parti. C'est vrai qu'il y a des circonscriptions aussi dans lesquelles les partis qui sont investis par la NUPES, Pauline Gros a fait un article à ce sujet-là, n'assument pas l'étiquette, parce que justement la personnalité de Jean-Luc Mélenchon pour eux reste trop clivante, et même le programme qui a été signé par leur parti, ils n'y adhèrent pas complètement. Alors cette dynamique à gauche, ça j'imagine complique peut-être la campagne de l'exécutif, et j'imagine qu'Emmanuel Macron et la Macronie en général ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait un bloc de gauche au pluriel qui se soude au lendemain de la réélection d'Emmanuel Macron, mais il n'y a pas que ça qui fait que cette campagne de législative n'est pas qu'une formalité pour Emmanuel Macron. D'abord il y a ça quand même, ouais. Et c'est vrai que la majorité a été un peu prise de court par cette union de la gauche et par cette politisation de la campagne. Alors ça peut paraître absurde, une politisation d'une campagne électorale, ça paraît naturel, mais c'est vrai que la stratégie d'Emmanuel Macron, c'était qu'il y ait le moins de campagne possible. Il nomme son gouvernement, par exemple, le vendredi soir, le lundi matin, c'est le début de la période de réserve, où les ministres n'ont plus le droit d'apparaître, de faire des annonces médiatiques, de faire des déplacements politiques, etc. Et c'est volontaire. C'est aussi lié au fait qu'il a essuyé beaucoup de refus, qu'il a eu beaucoup de mal à faire son gouvernement. Mais c'est volontaire parce qu'Emmanuel Macron voulait qu'il y ait le moins de campagne possible. Un exemple très rapide, la retraite à 65 ans, elle a été rangée dans les tiroirs très rapidement, déjà dans l'entre-deux-tours un peu, et après la réélection d'Emmanuel Macron. Là où on s'attendait à ce qu'il y ait tout de suite des annonces, tout de suite un calendrier, les ministres, etc., dès qu'ils ont été nommés, ont pris soin de dire qu'en fait, la réforme des retraites, déjà les 65 ans n'étaient pas un totem, qu'on ne connaissait pas le calendrier, etc. Donc la volonté, c'était de ne pas faire campagne, en se disant que ça allait profiter effectivement à la majorité. Ils ont été pris de court par le fait qu'il y avait une union à gauche, que Mélenchon faisait campagne avec les partis de gauche. Et donc, ils ont été obligés d'entrer dans l'arène. Et la deuxième chose, pour répondre plus directement à ta question, c'est qu'il y a eu une succession d'événements, pour le coup, où tous étaient des événements défavorables à la majorité. Damien Abad, tout de suite, le lendemain de l'annonce du gouvernement, donc cette enquête de Mediapart, et ensuite tous les échos que ça a, les accusations de viol, on rappelle qu'ils visent Damien Abad, le ministre des Solidarités, qui a été une des rares prises politiques de ce gouvernement. Il y a eu les événements du Stade de France, au moment de la finale de la Ligue des Champions de foot, entre Liverpool et le Real Madrid, où ces images ont complètement... annihiler, en tout cas phagocyter l'actualité, le récit politique, etc. du moment, parce que tout le monde en a parlé, parce que ça a donné une image du maintien de l'ordre français, de la France en général, catastrophique, on en a parlé ici. Donc cette succession de petits événements a fait qu'en fait la campagne de la majorité, elle est plutôt catastrophique. En tout cas, rien ne s'est passé comme il l'attendait et comme il l'espérait.
et pas de, de faits majeurs positifs qui créent une dynamique. Il n'y a rien eu, effectivement, qui a créé de récits positifs. Ouais. Lucie, campagne compliquée aussi pour Marine Le Pen, donc qui, malgré le score historique qu'elle a fait à la présidentielle, s'est lancée dans cette bataille législative comme résignée, déjà perdante. En 2017, tu le précises dans ton dernier article, ta dernière analyse, la participation de son électorat s'était écroulée entre la présidentielle et législative. Est-ce que ça peut se reproduire cette fois-ci? Et si oui, pourquoi? Oui, alors c'est assez traditionnel que l'électorat du Rassemblement national se mobilise presque exclusivement, enfin beaucoup plus, pour l'élection présidentielle. À chaque scrutin intermédiaire, on observe un décrochage. Donc c'était vrai en 2017, mais c'était vrai lors des précédents scrutins. Là, ce qui est sûr, c'est qu'il y a de fortes chances que ça se reproduise et que ce soit même accentué, étant donné la campagne complètement ratée de Marine Le Pen. Je reviens sur ce que disait Iliès, et effectivement un peu l'obsession qui a été aussi la NUPES pour le Rassemblement National, qui s'est trouvée du coup totalement défensive, alors que quand même Marine Le Pen sortait dans une forme de défaite victorieuse de la présidentielle. Elle a fait 13 millions de voix, 40%, 42% au second tour, c'est vraiment un score historique. Et là, on l'a vu faire une campagne du bout des lèvres, en expliquant qu'elle avait déjà perdu, et totalement obsédée par Mélenchon. Voilà. Et donc finalement, une campagne en contre. Oui, avec sur Mélenchon, tu as aussi publié une enquête, enfin on a publié une enquête que tu as signée sur les éléments de langage qui étaient mis en place par le RN pour taper sur la coalition de gauche, qu'ils avaient d'ailleurs rebaptisé extrême gauche pro-islamiste. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette enquête ? Oui, en fait, ce qui était intéressant, c'est que c'est effectivement des éléments de langage qui sont parvenus aux candidats par mail. Ça raconte un peu en creux aussi la grande faiblesse de l'encadrement, pour être gentil, de l'encadrement du RN de ces candidats, et la grande faiblesse de ces candidats, hein, qu'on a vu se ridiculiser pour certains sur les plateaux télé. Donc, on leur a offert des éléments de langage tout faits sur, effectivement, cette extrême-gauche islamiste. Donc, des éléments de langage disant LFI, le I de LFI, c'est pour islamiste, c'est de la coalition Burkini, enfin voilà. Donc une espèce d'outrance quand même tellement caricaturale qu'on a peine à imaginer que ça ait vraiment beaucoup d'impact sur leurs électeurs. Voilà, donc c'est bon, mais surtout ça montrait qu'ils arrivaient très difficilement à imposer leur propre thème. Ils étaient vraiment uniquement dans le lynchage de cette nouvelle coalition de gauche, qui raconte aussi en creux qu'eux n'ont pas réussi à s'unir, puisqu'on n'en a pas parlé, mais il y a effectivement l'absence d'union avec Éric Zemmour, même si ces candidats n'ont strictement aucune chance de se faire élire, mais sur le terrain, ça crée aussi une absence de dynamique, une absence... c'est quand même l'éternel problème du Rassemblement national qui n'a aucun allié. Ilias, tu l'as dit, donc Emmanuel Macron et la majorité ont tardé à lancer la campagne. Là, ça y est, c'est parti, on est à 3 jours, il vaut mieux. Avec une stratégie assez précise que lui et ses ministres répètent à longueur de discours et d'interviews, aujourd'hui encore, appuie celle-ci dans le Tarn, où le président réélu était en déplacement. Alors je vais être clair avec vous, face à ce contexte hanté par l'incertitude, les extrêmes aujourd'hui proposent d'ajouter de la crise à la crise en revenant sur les grands choix historiques de notre nation. Revenir sur les alliances qui, comme l'OTAN, assurent la sécurité collective et protègent les peuples, en proposant, de quelque extrême qu'il s'agisse, de mener des alliances, je dois le confier, quelque peu baroques dans le moment où je parle, avec la Russie, qui massacre les civils en Ukraine. Remettre en cause l'Europe, elle qui nous a protégés pendant le Covid. L'Europe sans laquelle nous n'aurions pas eu de vaccin, nous qui n'en produisions pas alors sur notre sol. Les extrêmes proposent quoi ? Pour les uns, de ne plus en appliquer les traités, et donc de considérer que ce serait en quelque sorte une association dans laquelle on choisit ses règles. Pour les autres, de ne plus en payer les cotisations. Et ce serait un syndic de copropriété où on ne paye plus les charges communes. Dans les deux cas, c'est une sortie de l'Europe.
proposent les uns et les autres, les deux extrêmes. De remettre en cause nos institutions qui, face au Covid comme face à la guerre, ont démontré leur efficacité. Les deux extrêmes, donc c'est ça la stratégie de l'exécutif, renvoyer les deux extrêmes dos à dos. C'est intéressant parce que ça montre à quel point Emmanuel Macron pense la politique en séquence et en clientèle et en segments électoraux. Dans l'entre-deux-tours, par exemple, quand il est opposé, il est en duel face à Marine Le Pen, sa réserve de voix à ce moment-là, c'est l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, les 22% à l'époque de Jean-Luc Mélenchon. Et on se rappelle de l'entre-deux-tours où la majorité nous a expliqué qu'elle avait des valeurs communes avec Jean-Luc Mélenchon, en tout cas les électorats avaient des valeurs communes, a repris le concept de planification écologique, a mis en avant toute une série de thématiques, la jeunesse, les quartiers populaires, qui étaient censés séduire cet électorat qui avait voté pour Jean-Luc Mélenchon. Là, on est passé à une autre séquence qui est l'élection législative. Et vu, il y a deux qualifiés en général, sauf grosse participation, mais ce n'est pas la tendance, il y a deux qualifiés en général pour le second tour de l'élection législative. Et vu le contexte, l'accord à gauche, Emmanuel Macron s'attend à ce qu'il y ait une majorité de duels entre ses candidats et les candidats de Jean-Luc Mélenchon. Donc il est déjà dans une logique où sa réserve de voix pour les élections législatives, pour ne pas perdre de sièges, c'est l'électorat de droite et d'extrême droite. Et donc là, on a basculé dans une autre séquence où son ennemi désormais, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et c'est intéressant parce que là, il dit les extrêmes dans l'extrait qu'on vient de voir. Dans le Figaro, dans l'entre-deux-tours, quand il veut séduire l'électorat de Mélenchon, il dit « Ah non, non, je ne mets pas du tout un signe égal entre l'extrême gauche et l'extrême droite, ce n'est pas du tout la même histoire, ce n'est pas du tout pareil. » Et là, on se retrouve avec un vocabulaire qui reniait dans l'entre-deux-tours. Donc, c'est flagrant comme stratégie, c'est vraiment… Il arrive avec des gros sabots quoi, électoraux, mais il faut le comprendre en séquence électorale. Comment la NUPES réagit à ce genre de stratégie ? Globalement, il y a plutôt une stratégie d'essayer de ne pas se laisser distraire et de marteler les arguments sur le fond. C'est le programme, marteler la retraite à 60 ans, le pouvoir d'achat, la planification écologique, et plutôt laisser ces amalgames-là, ne pas trop y répondre, tellement outrancier que voilà, ça leur passe au-dessus. Mais en fait, aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon a quand même fait une mise au point, il a donné une conférence de presse assez lapidaire d'un quart d'heure, 20 minutes, durant laquelle il a répondu à Emmanuel Macron, parce que là, je pense qu'il a considéré qu'il y avait quelque chose qui avait été franchi, un pas. Notamment, je pense, sur le côté alliance baroque avec la Russie. Ouais. Donc voilà, il a expliqué factuellement que c'était complètement grossier, exagéré, faux. D'ailleurs, il y a même des médias qui commencent... Parce qu'il y a un écosystème médiatique aussi qui se met en place derrière, qui commence à agiter le chiffon rouge sur Jean-Luc Mélenchon et la NUPES. Il y a aussi d'autres médias comme l'AFP qui font du travail de fact-checking pour montrer que... Parce qu'il y a aussi beaucoup d'attaques sur le programme économique, par exemple. La stratégie de la NUPES, c'est aussi de répondre par l'expertise. Parce qu'en gros, c'est le classique coup de la gauche qui est incompétente en matière économique. Donc là, la NUPES a constitué depuis la campagne présidentielle déjà un bataillon d'économistes qui ont un blog d'ailleurs sur Mediapart, sur le club, et qui font des rapports en fait, qui répondent aux attaques sur le fond. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, il y a une tribune qui a été faite. Donc c'est aussi de répondre par l'élargissement à gauche. Là, il y a une tribune qui a été signé par Thomas Piketty, Julia Cagé, Bernard Friot, des économistes qui couvrent un spectre très large de la gauche et qui soutiennent le programme économique. Et qui sont assez normalisés. Exactement, la stratégie, c'est face à la diabolisation de normaliser. Très rapidement, pardon. C'est intéressant parce que Julia Cagé, Thomas Piketty, c'est aussi des noms qui parlent à un électorat, et c'est ce que j'allais dire, qui est vraiment là au cœur de ce premier tour, c'est l'électorat social-démocrate qui a voté PS, qui votait écolo aussi. Et Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon ont compris que c'était un électorat qui allait pouvoir faire basculer le premier tour des législatives. C'est pour ça qu'Emmanuel Macron parle d'Europe, etc., en essayant de dire à cet électorat, n'allez pas voter Mélenchon parce qu'il est anti-européen, c'est moi le vrai social-démocrate. Et Jean-Luc Mélenchon, quand il met en avant des Julia Cagé, des Thomas Piketty, ou quand Olivier Faure aussi prend une part importante dans la campagne, c'est aussi une manière de dire à cet électorat, je ne suis pas le grand méchant loup extrémiste qu'on vous décrit, venez, on est de la même famille. Donc c'est... voilà. Et en tout cas, c'est un peu le fil rouge, la NUPES de cette émission, puisque la dynamique se trouve là, avec cette ambition de la part de la NUPES de faire tomber les candidats ministres. Mathieu, toi, tu as suivi la campagne de Caroline Mécari, donc candidate des gauches rassemblées, qui challenge le ministre Clément Beaune à Paris. Effectivement, donc elle est candidate dans la 7e circonscription de Paris, c'est la circonscription qui inclut le 4e arrondissement, une partie du 11e, une partie du 12e, ces deux derniers arrondissements.
arrondissement, Mélenchon a fait des scores assez importants au premier tour de la présidentielle. En revanche, dans le quatrième, c'est Emmanuel Macron qui est en tête. Mm-hmm. Ce qui est intéressant, c'est justement par rapport à ce que disait Ilyes, ça correspond tout à fait à un type de circonscription où c'est l'électorat de centre-gauche qui votait écolo, qui votait PS, qui se retrouve un petit peu sans maison et qui peut faire l'élection. Stratégiquement, le gouvernement, enfin en tout cas Emmanuel Macron, a présenté donc Clément Beaune, le ministre de l'Europe, délégué à l'Europe, dans cette circonscription-là, qui a un profil plutôt centre-gauche et qui va essayer de s'adresser à ces électeurs-là. Et Caroline Mécari, elle, c'est aussi un profil un peu atypique dans la NUPES, puisqu'elle est avocate, elle est issue du Parlement de l'Union populaire, mm-hmm. et bon, elle a quand même un passé d'engagement politique à Europe Écologie Les Verts et au PS, ouais. Donc elle peut jouer sur cette carte-là en disant non, justement, c'est pas l'extrême-gauche, voilà, c'est la gauche. Justement, c'est Marlène Schiappa, par exemple, qui visait l'investiture de la Macronie dans cette circonscription, et on lui a fait comprendre non, c'est pas pour toi, il faut une figure comme Clément Beaune. Donc justement, exactement dans ce que tu dis. Autre figure de la Macronie qui joue sa place au gouvernement, le nouveau ministre de la Transformation et de la Fonction publique, Stanislas Guérini, donc patron d'En Marche devenu Renaissance. Pas encore. Pas encore. C'était juste une annonce, en fait. Pour l'instant, ça s'appelle encore la République. Ok, bah voilà. Donc toujours LREM. Célia, tu es allée à son meeting hier soir à Paris. Exactement, oui. Et faire campagne pour un poste de député avec un agenda de ministre, ça peut s'avérer compliqué. Avec Bérénice Gabriel, on s'est rendu hier soir au square des Batignolles dans le 17e arrondissement de Paris. Une heure avant le début du meeting, on a croisé l'équipe de Stanislas Guérini qui préparait l'estrade et tractait aux alentours du square, mais sans Stanislas Guérini. Effectivement, étant ministre, il a dû commencer à devoir s'intéresser à ces dossiers et il n'était pas peut-être à 100% présent comme dans une campagne. À quelques mètres, des militants LR tractent aussi et en profitent pour s'engouffrer dans la brèche. Monsieur Guérini, vous avez qu'à demander aux habitants, on ne l'a pas vu souvent. Il est 19h30, Stanislas Guérini arrive. Certains disent que vous faites une campagne fantôme, qu'on vous voit très peu. Oh bah non, c'est pas vrai. Et puis, vous voyez, on est en binôme avec ma suppléante. Donc voilà, j'ai pas l'impression d'être fantomatique, là. Pourtant, ce que l'on sait, par exemple, c'est que le député sortant a participé à aucun des deux débats organisés avec les autres candidats à cause de conflits d'agenda, selon son équipe. C'est sa suppléante, Caroline Yadan, qui est allée à sa place. Sur scène, Stanislas Guérini prend la parole pour défendre le bilan du premier quinquennat Macron. Oui, le chômage et à son plus bas niveau depuis 15 ans. Oui, le chômage des jeunes est à son plus bas niveau depuis 40 ans. Nous avons encore cette semaine obtenu des avancées formidables en européen sur les salaires minimums. Moi, je préfère cela à l'insoumission aux règles européennes. Puis, il passe rapidement aux objectifs du second quinquennat. L'urgence du pouvoir d'achat, avec des mesures extrêmement concrètes, extrêmement importantes. L'urgence écologique, ce quinquennat doit être celui de l'accélération et du changement d'échelle. On a la possibilité de faire de ce quinquennat le quinquennat du plein emploi. Un chantier sur l'école, il sera absolument fondamental. Stanislas Guérini en profite pour rappeler sa priorité du moment comme ministre de la fonction publique. On a un rendez-vous qui nous attend dès cet été avec la revalorisation du point d'indice. Elle est attendue, il faut qu'elle soit significative. Une mesure qu'il avait déjà annoncée sur France Info, en d'autres termes. Il y aura aussi le dégel du point d'indice, la revalorisation du point d'indice. Dégel ou revalorisation, pour certains profs, ce n'est pas clair. Le nouveau ministre est interpellé par des profs du collectif des stylos rouges venus spécialement pour lui poser cette question. Alors tous ces termes ne sont pas identiques, les conséquences ne sont pas les mêmes. Je ne confonds pas les choses, il y a le point d'indice d'un côté, il y a des augmentations de salaire de l'autre. On se dit, si le point d'indice n'a pas augmenté depuis 2010, on a l'impression que les rémunérations des agents de la fonction publique ont bougé de zéro. C'est pas vrai. Il y a eu des augmentations, mais qui n'étaient pas à travers le point d'indice. Votre vocabulaire n'est pas précis. Vous dites dégeler, en fait, c'est augmenter, en fait, c'est revaloriser. Il faut être précis. Vous êtes ministre. Moi, je trouve ça hyper vertueux qu'on ait ces échanges-là. Et je crois que c'est ça la démocratie. Et moi, je suis très content qu'on ait ces réunions publiques. Bon, ils ne seront pas d'accord sur le point d'indice, mais Stanislas Guérini tente de convaincre avec les primes. Ce serait faux de dire que rien n'a été fait en pressant quinquennat, etc. Là aussi avec des efforts concentrés, je le dis au passage, sur des profs notamment qui travaillent dans des zones REP et REP+. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais il y a une prime de 3000 euros qui a été... Ah. Non, non, c'est ce que vous dites sur les médias pour... On l'a pas eu. Mais c'est pas du tout le cas, donc il faut arrêter... C'est non, non. Ok, je suis prêt à discuter avec vous, parce que j'imagine bien que vous ne racontez pas de craque là. En tout cas,
il y a cette prime, alors peut-être qu'il y a des trous dans la raquette, peut-être que les dispositifs sont mal adaptés, etc. Donc ça, hyper preneur au contraire d'avoir une discussion avec vous là-dessus. Il y a bien des enseignants quand même dans des zones repérées plus qui ont perçu une prime. C'était pas simplement une vue de l'esprit, mais prêt à en rediscuter. Alors on a remarqué une chose, quand il parle de la police, Stanislas Guérini suscite des applaudissements. Non, ça n'est pas acceptable dans notre pays de dire à la radio la police tue et à chaque fois de planter des poignards dans le dos de nos policiers. Non, ça n'est pas acceptable et ce ne sont pas nos valeurs à nous, républicains. On devra le porter. Le ministre fait référence au tweet de Jean-Luc Mélenchon disant que la police tue après le décès d'une jeune femme lors d'un contrôle de police. En accord avec la stratégie de campagne de la majorité, Stanislas Guérini attaque la NUPES, renvoyant l'alliance des gauches dos à dos avec l'extrême droite. Oui, nous devrons lutter contre les extrêmes et contre les projets extrêmes qui se nourrissent les uns les autres. Parce qu'aujourd'hui, ce qui me frappe, c'est de voir à quel point il y a des points de convergence entre l'extrême gauche et l'extrême droite dans notre pays. On le voit dans les interviews que vous donnez, que d'autres leaders de la majorité donnent. Le concurrent numéro un, c'est la NUPES. Pourquoi la NUPES et pas le Rassemblement National, par exemple, ouais. Alors que vous disiez vous-même que cette lutte contre le Rassemblement National était consubstantielle à votre engagement. Ouais, bien sûr, bien sûr. Pourquoi en parler si peu? J'ai d'abord l'occasion de le redire. Moi, je ne trompe jamais de combat. Je pense que dans notre pays, je lutte contre les extrêmes et l'engagement et la lutte contre l'extrême droite, ça reste un engagement évidemment plein et entier. Je vois qu'à l'Assemblée nationale, le Front National peut avoir un groupe important, donc ça reste évidemment un combat. Mais renvoyer dos à dos les gauches rassemblées et le Rassemblement National, c'est ça votre stratégie? Moi, il y a pour moi un projet d'extrême gauche. Vous parlez des extrêmes. Jean-Luc Mélenchon, c'est un projet d'extrême gauche. Assumé. Avec, tout aussi dangereux que l'extrême droite. Non, mais c'est pas ça que je veux vous dire. Moi, je combats l'extrême droite dans le pays. J'ai même eu l'occasion de répondre un jour. Que si à l'élection présidentielle il y avait Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, mon choix il reste Jean-Luc Mélenchon. Vous voyez, je suis très à l'aise avec ça, je ne me trompe pas de combat. Moi je combats l'extrême droite. Mais est-ce que je pense que le projet aujourd'hui de Jean-Luc Mélenchon est un projet dangereux pour le pays, dangereux pour notre continent? Je le pense très profondément, donc j'ai le droit de le dire. Alors avant de voir qui incarne le projet dangereux de Jean-Luc Mélenchon dans cette circonscription avec Célia, Mathieu, juste. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon est d'extrême gauche? Juste un peu de pédagogie politique. Non. Enfin, en fait, c'est très simple. Ça m'étonnerait qu'Olivier Faure ou Julien Bayou aient accepté de faire une coalition et de soutenir un programme avec quelqu'un d'extrême gauche. Enfin, je pense que c'est la réponse la plus simple qu'on peut faire à cet élément de langage. Élément de langage, quoi. Ouais, voilà. En fait, qui est beaucoup utilisé pour diaboliser aujourd'hui la NUPES. Célia, donc la suite du reportage dans la circonscription. Du coup, dans cette circonscription, celle qui porte ce projet. Donc très dangereux, selon les mots du ministre, c'est Léa Ballage El-Mariki. La veille, cette candidate de la NUPES faisait campagne en porte-à-porte dans le quartier des Épinettes. Et dans cette circo, Emmanuel Macron a fait un très gros score à la présidentielle. Est-ce que vous pensez que vous avez vos chances? On a nos chances partout où on décide d'aller convaincre, on décide d'aller parler aux habitantes et aux habitants, on décide d'aller présenter notre programme. Et en fait, on a des chances dans toutes les circonscriptions de France. Donc moi, je compte bien continuer à le faire jusqu'au dernier moment, jusqu'à vendredi 23h59, continuer à convaincre. Et faire face à Stanislas Guérini, député sortant, c'est un gros morceau quand même. Stanislas Guérini, ça ne m'impressionne pas. Moi, ce qui m'impressionne, c'est la charge immense de travail qu'on a réalisé pour mettre en place le programme. C'est ça qui est impressionnant et qui est plutôt exaltant. Et voici les propositions très dangereuses donc de Léa Ballage El-Mariki. Bonsoir madame. Bonsoir. Bonsoir madame. Je suis candidate pour les élections législatives. Sur le pouvoir d'achat, on a plusieurs mesures. Notamment sur la question des retraites, c'est que plus personne ne vive en dessous du seuil de pauvreté. La retraite à 60 ans. Et puis pour votre pouvoir d'achat, là très concrètement maintenant, on peut bloquer les prix. Mmh. Hein, vous n'avez pas la nationalité, c'est ça? Non. Bah, nous, c'est... Non, oui. Ouais, ça fait partie des propositions que vous puissiez voter aussi. Et quand on lui parle de son concurrent, ça ne l'intéresse pas. Vous parlez très peu de Stanislas Guérini. Mais parce qu'en fait, on est là pour mobiliser pour un projet, pour un programme. On essaye de convaincre que nos propositions, elles répondent au quotidien. Elles permettent de se projeter dans un avenir qui est un peu plus apaisé. Donc on parle surtout en pour. On ne fait pas une campagne contre. Ça ne mobilise pas. Par contre, pour un avenir, pour l'avenir de ses enfants, pour avoir une qualité de vie qui est améliorée tous les jours, ça mobilise.
Merci Célia. Ça confirme ce que tu dis, Mathieu, à propos du fait que la NUPES se concentre sur ses propositions et ne répond pas aux attaques sur le fait d'être d'extrême gauche ou d'avoir un projet dangereux. Oui, tout à fait. De toute façon, la stratégie, c'est de mobiliser, remobiliser un électorat des quartiers populaires, un électorat jeune qui a beaucoup voté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour. Et pour ça, c'est les arguments de fond. Et en fait, on voit bien aussi dans ton reportage qu'il y a une stratégie de la part de Stanislas Guérini, de la majorité présidentielle, plutôt de fuir le débat et en utilisant justement ces éléments de langage extrême gauche. En l'occurrence, il a refusé de débattre avec. C'est sa suppléante qui a débattu avec ses adversaires. C'est caractéristique de ce à quoi on assiste. Disons que l'agenda de ministre est pratique comme excuse. Ilyes, ça t'inspire quoi, la façon dont Stanislas Guérini présente les choses, ce que tu as vu ? C'est pas étonnant, c'est dans la veine de c'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on a vu sur le terrain aussi, c'est-à-dire que c'est des campagnes à minima, en fait, en se disant que, finalement, il fallait surtout ne pas faire de gaffe. La stratégie de la Macronie, c'est ne pas faire de gaffe. Donc, parler le moins possible, en faire le moins possible. Là, ils ont eu un petit coup de pression dans les derniers jours, quand même. Ils y sont allés en diabolisant, effectivement, la gauche. Mais l'idée, c'est de faire le moins de gaffe possible. Et c'est aussi pour ça qu'ils ne débattent pas. On a vu, par exemple, très rapidement, Elisabeth Borne sur une de ses rares sorties médiatiques, là, à France Bleu, où ça fait un bad buzz sur sa réponse à cette femme en situation de handicap qui lui parle de la déconjugalisation de l'AAH, de l'allocation adulte handicapé. Et une réponse très maladroite d'Elisabeth Borne. Vraiment, Emmanuel Macron, depuis sa réélection, se dit il faut qu'on en dise le moins possible parce que chaque prise de parole peut nous faire perdre des voix. La réponse, c'était qu'elle lui conseillait de trouver un boulot. Oui, qu'elle lui parlait de réinsertion professionnelle, alors que c'était effectivement ni le lieu ni l'endroit et c'était pas du tout opportun. C'était pas tellement le rapport. Et il y a 10 ans, par exemple, en 2007, pardon, il y a 15 ans déjà, quand Jean-Louis Borloo parle de TVA sociale au moment des législatives qui suivent l'élection de Nicolas Sarkozy, ça fait un bad buzz, comme on dit maintenant. Non. En tout cas, ça crée une polémique et ça fait perdre, c'est ce qu'on disait à l'époque, des sièges de députés à la droite. Là, Emmanuel Macron, il a tout ça en tête, il est entouré par des gens qui connaissent par cœur cette histoire politique de la droite, notamment. Mmh. Et donc, l'idée, c'était d'en faire le moins possible, donc de ne pas débattre, par exemple, pour Stanislas Guérini. Donc, on a dit Clément Beaune, Stanislas Guérini sur le fil. Est-ce qu'il y a d'autres ministres qui pourraient être en difficulté ou dont la réélection ou l'élection n'est clairement pas assurée ? Ils sont 15 en tout à être candidats. Il y en a pour qui, a priori, ça serait une formalité. Elisabeth Borne, par exemple, elle choisit une circonscription à dessein où, a priori, elle sera élue. Gabriel Attal, enfin, il y a quand même une majorité qui sont plutôt dans une majorité de ministres candidats qui sont dans une situation favorable. Il y en a une qui est dans une situation très défavorable, c'est Justine Bénin, qui est la secrétaire d'État à la mer, qui est candidate dans la circonscription dont elle est sortante. Mais les scores et de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen à l'élection présidentielle rendent très compliquée l'hypothèse de sa réélection. Et après, il y a tous ceux qui sont très indécis. On a parlé de Stanislas Guérini, on a parlé de Clément Beaune. Franck Riester, par exemple, en Seine-et-Marne, c'est en grande couronne parisienne, c'est du périurbain, qui vote beaucoup Marine Le Pen, qui vote de moins en moins Emmanuel Macron. Donc lui est dans une situation compliquée. On peut citer, par exemple, Amélie de Montchalin aussi, qui est quand même une ministre de premier plan maintenant de ce gouvernement, donc à la transition écologique, et qui se retrouve à Massy. C'est intéressant parce que c'est la terre d'élection de Jean-Luc Mélenchon, c'est la terre dont il a été conseiller municipal, conseiller général à l'époque, etc., adjoint au maire. Et elle se retrouve contre Jérôme Guedj, qui est l'ancien président du département, qui est une figure historique, socialiste, qui séduit l'électorat un peu de centre-gauche. Donc pour Amélie de Montchalin, c'est quand même assez indécis. Qui est candidat NUPES ? Qui est candidat effectivement pour l'Union de la gauche, qui est candidat NUPES. Okay. Jérôme Guedj, c'est une figure locale. Ouais, ouais. Donc il y a quelques ministres comme ça de premier plan, je pense qu'ils ne dorment pas super bien le soir. Il risque d'y avoir une abstention importante. À quel camp peut-elle nuire le plus ? Je crois que c'est Lucie derrière, peut-être qui a la meilleure réponse à ça, je ne sais pas. L'abstention peut nuire pas mal au Rassemblement national. Oui, certainement. On sait que c'est plutôt de ce côté-là que, effectivement, enfin, chez ces électeurs, que la mobilisation, surtout pour des législatives où effectivement le RN a très peu, du fait du scrutin, du fait du scrutin majoritaire à deux tours, a très peu de possibilités d'imposer des candidats. On se souvient qu'en depuis 2017, ils ont seulement 8 députés, hein, malgré leur score. Et donc Marine Le Pen ne cesse de crier au scandale démocratique, mais en attendant, c'est pas très mobilisateur pour les troupes qui savent qu'ils auront un petit groupe qui aura beaucoup de mal à peser
Et voilà, donc effectivement, je pense que l'abstention va être importante, mais je n'en sais rien. Et en second lieu, c'est sûr que l'abstention pourrait aussi gravement pénaliser la NUPES. Ouais. C'est pour ça qu'ils mènent vraiment une campagne pour essayer de lutter contre cette abstention différentielle, c'est-à-dire le fait que les gens qui vont voter aux législatives sont plutôt en général des gens du camp qui a gagné à la présidentielle. Ouais. Eux, ils essayent de remobiliser ceux qui ont perdu, en l'occurrence les 22% de Jean-Luc Mélenchon et les électeurs de Yannick Jadot et d'Anne Hidalgo, de Fabien Roussel, pour essayer d'envoyer le plus de députés à l'Assemblée nationale. C'est pour ça qu'ils sillonnent leurs circonscriptions, et notamment les quartiers populaires qui ont beaucoup voté pour l'Union populaire, et puis un électorat jeune aussi qui a tendance à se démobiliser et qui essaie de raviver un peu cette flamme. Est-ce que le risque de cohabitation est réel ? C'est probable, possible ? Il y a eu une sorte d'offensive de communication en fin de semaine dernière, la une du JDD, il y a eu beaucoup d'articles dans la presse quotidienne où il y avait des éléments de langage de la Macronie qui disaient en gros « attention, danger ». J'avoue ne pas tout à fait savoir à quel point c'est sincère. Ce qu'on me dit, c'est quand même que globalement, il y a une confiance dans le fait qu'il y aura une majorité. Il y a une petite inquiétude qui commence à pointer sur la question de savoir est-ce que cette majorité sera absolue ou non. Le plus gros groupe, dans leur esprit, ça sera le groupe de la majorité, mais la barre de la majorité absolue, elle est à 290. Et dans les projections qui circulent des instituts de sondage, c'est ça en fait qui fait le plus paniquer ou qui inquiète la majorité, c'est qu'ils sont potentiellement en dessous de cette barre. Et si on n'a pas la majorité absolue, est-ce que c'est à qui qu'il puisse avoir un gouvernement Alors ça, ce serait le pire scénario pour Macron, c'est effectivement une victoire de la NUPES et l'obligation de nommer un Premier ministre de gauche. Ça, ok. Mais ça, ils y croient encore assez peu. Ouais. Par contre, le scénario de la majorité relative, il est possible. Et dans ce cas-là, ça obligera Emmanuel Macron, soit il choisit de garder cette majorité et texte par texte de négocier des majorités sur le budget, sur la loi pouvoir d'achat, etc., d'aller négocier et toujours de trouver les 10, les 20, les 30 députés qui lui manquent dans les camps de l'opposition. C'est possible. Ou alors il choisit de reconstruire tout de suite une majorité, de recruter par exemple 20 députés LR sortants, ou réélus ou élus, et de les amener dans la majorité tout de suite en leur proposant en échange des concessions programmatiques, un ministère probablement, etc. Il peut le faire aussi à gauche avec des socialistes, voire des socialistes dissidents dans le siège de Carole Delga, etc. Mais comme ils sont d'extrême gauche. Qui peut... Pas les dissidents, il y a le camp Delga, et ceux-là, ils pourraient peut-être rejoindre la majorité. Mais ça serait de toute manière catastrophique politiquement, parce que ça serait quand même le signal d'un désaveu électoral. À peine réélu. Et d'une instabilité, d'un Parlement qui sera non pas une chambre d'enregistrement, mais un vrai lieu de débat et de négociation permanente. Mmh. Tout ce que déteste en fait Emmanuel Macron. Mmh. Donc ça peut être très intéressant. Si je peux ajouter un truc aussi, je pense que dans le fond, quelque part, leur inquiétude, elle est quand même un peu sincère aussi sur le fait que, par exemple, ils ont le souvenir de ce qu'a pu faire un groupe parlementaire insoumis de seulement 17 députés, par exemple sur la réforme des retraites. En fait, on a beaucoup dit que la réforme des retraites avait été annulée, n'était pas passée à cause du Covid, mais il faut se souvenir de ce qu'ils avaient appelé une sorte de guérilla parlementaire qui avait mené les députés insoumis en déposant des centaines et des centaines d'amendements pour que le débat dure et que finalement la réforme ne passe pas. Je pense que c'est anticipant l'arrivée d'une coalition au pouvoir. Voilà. Une dernière question quand même côté républicain, on ne va pas les oublier. Je suis content quand on parle de... Bah voilà, c'est ton port d'attache à la base. Donc, voilà. Comment se passe la campagne après la catastrophe Pécresse? Fait moins de 5% à la présidentielle. Certes, mais alors pour accréditer un peu... Ça bouge encore. Mais oui, ça bouge encore. Pour accréditer la thèse de cet affaissement de la majorité, chez LR, ils ont commencé la campagne, je le disais en début d'émission, totalement au fond du trou, quoi. C'est-à-dire que personne ne voulait y aller, ils se disaient on va se faire rétamer, etc. Et finalement, ça se passe mieux que prévu. C'est ce que nous disent les candidats, etc. Mais alors on pourrait dire finalement, ils disent ça, c'est des éléments de langage. Moi, je l'ai vu sur le terrain aussi. Partout où je suis allé, ça se passe mieux pour les candidats LR, notamment les sortants, implantés, qui sont des élus de longue date, avec les élus locaux qui les soutiennent, que pour les élus de la majorité, qui même quand ils sont sortants, sont en fait assez peu connus. Il y a eu la pandémie, il y a eu l'exercice du pouvoir macroniste, etc., qui fait qu'ils ne sont pas implantés pour l'essentiel d'entre eux. Donc en fait, LR commence à se dire, bah tiens, ça va mieux se passer que prévu. Ils sont 70 à peu près à être candidats à leur réélection. C'est pas impossible, en tout cas la projection de la direction du parti là, c'est de se dire on va revenir entre 50 et 70. Alors qu'on les annonçait à 15, 20, 30. S'ils sont entre 50 et 70, d'une part, ça met un vrai coup à la majorité, à la Macronie, et d'autre part, ça fait qu'il y a encore un parti qui tient debout, quoi.
Si vous avez quelque chose à ajouter, c'est maintenant. Sinon, je crois qu'on a vous fait le tour. Vous taisez à jamais. On a fait le tour, en tout cas, pour ce soir. Merci à tous les quatre, Lucie Delaporte, Mathieu Dejean, Ilyes Ramdani, Célia Mebroukine. On se retrouve dimanche pour une soirée électorale en direct à partir de 19h30 pour analyser donc les résultats du premier tour de ces législatives et vérifier si vos analyses sont les bonnes. On est viré lundi. Exactement. Sinon, on vous reprend pour le second tour. D'ici là, vendredi, le grand entretien du studio sera mené par Faïza Zerwala. Elle reçoit le sociologue Renaud Epstein pour son ouvrage consacré aux cartes postales des grands ensembles. Samedi, le docu s'intitule Big Ben de Johan van der Keuken, qui signe un portrait en forme de fragment du saxophoniste ténor américain Ben Webster. Enfin, dimanche, le podcast Esprit Critique débattra de la série Oussekine Men d'Alex Garland. À l'air libre, c'est donc fini pour ce soir. On se retrouve dimanche. Bonne soirée, salut.